Good morgen, allez, Iden le sucre aujourd'hui, l'Elo Nishmat, et Charon Ben Fortune Mazal, et Claude Yitzhak Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Shkalim, Perek Zain Mishnavav, Amar Bishimon Shiv'a Advarim Itkinu Bet Din, Vezer Echad Mehem, Nochri Sheshalach, Olato Mimedinat Hayam, Veshilach Iman Nesachim, Kerevin Mishelo, Vimlav Kerevin Mishel Tzibur. וכן גר שמת וניח זבחים, אם יש לו נסחים, קרבין משלו, ואם לאו קרבין משל ציבור. ותנאי בית דין הוא על כהן גדול שמת, שתהיה מנחתו קרבה משל ציבור. רבי יהודה אומר משל יושין, ושלמה הייתה קרבה. Dans la Mishnah précédente, on avait parlé d'une situation, d'un animal qu'on a trouvé, qu'il fallait donc l'apporter au Bet HaMikdash, comme c'était présenté dans il y a deux Mishnahs en arrière, dans le Mishnah Dalet. Soit une Ola, soit une Shlamim, si c'est un mâle, une femelle. Dans la Mishnah précédente, on avait vu que, en théorie, celui qui va l'apporter en Korban, Ola ou Shlamim, il devra apporter les Nesachim, les oblations avec, mais ça a posé des problèmes, que ça faisait commencer à faire trop de dépenses pour ceux qui trouvaient les animaux, et du coup, au lieu de les ramasser, de les rapporter au Beth Amikdash, il les laissait errer dans la rue. Donc, Ramim, ils ont décrété qu'avec la caisse publique, on allait financer les oblations des animaux trouvés, qu'on allait apporter en Korban. Sur ça vient Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon, Shiva Dvarim Itkinu Beddin, il y a eu sept choses que les Beddin il a instaurées en rapport avec les caisses publiques du Beth Amikdash, des Shire Alishka, en l'occurrence. Vezeh Echad Mehem, et ça c'est un premier décret qu'ils ont fait, c'est de dire que pour les animaux trouvés, on pourra les financer avec la caisse publique. Deuxième situation encore que Rami ont fait un décret, que Nochri Sheshilach Olato Mimdina Tayam, un goy qui envoie une Ola Mimedinat Hayam, qui est de l'étranger. D'accord? Vous savez d'abord qu'un goy, il peut faire des korbanot au Beth HaMikdash. On accepte les korbanot des Olot. Et du coup, il y a Nodrim Nedrim, on est des votes qui est Israël. Je ne sais pas s'il peut faire des Shlamim aussi. Logiquement, non. Au moins, Ola, c'est sûr qu'il peut le faire. Donc, il envoie maintenant un korban. S'il envoie Nochri Sheshilach Olato Mimedinat Hayam, un Nochri qui est envoyé soit Ola, Ola qui est Ola complètement en chaîne, et il envoyait depuis l'étranger. Veshilach Iman Nesachim, il envoyait aussi les oblations. Alors, Kerevin Michelo, on pourra offrir même les oblations en Korban. D'accord? Par contre, Veim Lav, mais s'il n'a pas envoyé l'oblation, donc toute Ola contre Beth Amikdash, il faut nécessairement apporter les oblations de vin et de semoule et d'huile mélangée dedans. Le goy qui a envoyé l'animal de Medina Tayam, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Kervin, Michel Tzibourg, on va compenser ce manque, on va le payer avec la caisse publique. D'accord? Première situation. Première situation de la Mishnah, ça fait déjà la deuxième par rapport à la Mishnah précédente. On est censé en faire 7, dans notre Mishnah, il y en aura 3, 4. On arrivera jusqu'à 4, il en restera 3 pour la prochaine Mishnah. Troisième situation maintenant, c'est Vechenger Shemet Veniach Svachim. Un ger, un converti qui est décédé et qui a laissé des Svachim. Il a laissé des korbanot à apporter. Il avait fait, il prévoyait de venir au Beth Amikdash, le pauvre, il a raccourci ses jours. Il a fallu maintenant, on va prendre des animaux, on va les apporter en korban. Par rapport aux oblations, Im Yeshlo Nesachim, s'il a chez lui de quoi apporter des Nesachim, il a du vin, de la semoule et de l'huile, eh bien, Kervin Michelon, on les apportera avec les biens qu'il a laissés aussi. Par contre, Veim Lav, sinon, Kervin Michel Tzibour, on les apportera, on les financera par la caisse publique de nouveau. C'est un Tnaï Beddin, c'est un Beddin qui a instauré cette utilisation avec la caisse publique. Quatrième situation maintenant, Utnaï Beddin Hu Al Kohen Gadol Shemet. Il y a aussi un décret du Beddin. Un tenaï, c'est une condition, mais là, leurs rabbins qui ont posé des tenaïs, mais ils ont posé leurs conditions, ils ont instauré que Al Kohen Gadol Shemet, sur le Kohen Gadol qui décède, et qu'en fait, entre parenthèses, qu'il n'y avait pas d'autre Kohen Gadol qui l'a substitué pour le moment, alors, j'étais Minchato Kereva Michel Tzibour, que la Mincha du Kohen Gadol, alors Kereva Michel Tzibour, il faudra la porter sur les frais de la caisse publique, et je continue tout de suite, Rabbi Yehuda Omer, Michel Yorchin, Rabbi Yehuda nous dit, des héritiers. J'explique. Il y a le Kohen Gadol
Chavitei Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il doit apporter tous les jours une oblation qui était composée de 12 pains, un pain qui était, on les appelait Remintra Travitin, elle était cuite sous plus de plusieurs manières, une première fois frite, une première fois passée au four, et ça s'appelle la Mincha Travitin. Il faisait comme ça 12 pains. L'usage, il était la Torah, la pose, de couper chaque pain en deux. La moitié, on les fait le matin, l'autre moitié, on les fait le soir, à l'approche du Korban Tamid, chez le Ban Arbaim, plutôt après. Et il y a le. Donc ça, c'est la Mincha Travitin, ça s'appelle. La Mishnah m'enseigne que s'il y a le Kohen Gadol qui décède, et qu'il n'a aucun remplaçant tout de suite, il n'y avait pas de deuxième Kohen Gadol, ça a pris quelques jours jusqu'à qu'on le nomme. Pendant toute cette période, il faudra quand même apporter la Mincha de Kohen Gadol. Il faudra quand même apporter cette Mincha Travitin, même s'il n'y a plus de Kohen Gadol. Alors, aux frais de qui on va la porter? La Mishnah me dit, tu la porteras sur le frais de la caisse publique. C'est donc le quatrième Tnaï Bet Din, selon Rabbi Shimon. C'est la quatrième décret de Chachamim qui ont fait que on utilisera la caisse publique, on financera on financera cette oblation spéciale de la Mincha Travitin du Kohen Gadol qui est plus là, sur les frais du public. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit non. Michel Yorshin, il faudra la porter à partir de la caisse des héritiers. Les héritiers du Kohen Gadol, c'est eux qui devront apporter. Mais malgré tout, ou Shlema et Akreva, cette fois-ci, de selon tous les avis, il faudra la porter Shlema. C'est-à-dire, on a expliqué que la Mincha Travitin, on la faisait la moitié le matin. On faisait les 12 pains le matin, on les coupait chacun en deux. On apportait la moitié le matin, la moitié le soir. La Mishnah vient et m'enseigne que sache que quand le Kohen Gadol il est décédé et qu'il n'y a pas de Kohen qui remplace, et qu'on va quand même apporter la Mincha Travitin, soit sur les frais des héritiers, soit sur les frais de la caisse publique. Dans tous les cas, on apportera en un coup les 12 pains, parce que cette fois-ci, ce sera Kalil Toktar, il faudra la brûler intégralement. Ça, alors, la Mishnah m'enseignait que c'était un décret. Ça a été un décret, soit que ça vient sur la caisse publique, soit que ça vient sur la caisse du Kohen Gadol. En réalité, c'est un décret, mais c'est pas exact. C'est tout d'abord une Xerat HaKatuv. La Torah l'a imposé, c'est le Bar Tonoï, il rapporte, c'est du Chok Olam, Chok Zeh Michel Olam. Là, sur cette fameuse paracha des oblations, on va écrire, Perek Vav, où la Michel me dit qu'il faudra qu'il apporte un Kohen Gadol, il est marqué Chok Olam. Telle est une loi pour toujours. Le mot Olam, ça peut se dire pour tout le monde. Ça peut, c'est un qualificatif de temps. Ou soit ça vient plutôt parler de personne, pour tout le monde. Soit, il y a une situation où il faudra porter l'oblation aux frais de la caisse publique, ou aux frais des héritiers. Après, c'est aussi déduit, avec nos chers Tartav, Mi Banav, c'est déduit après d'un Pasouk, c'est Mi Banav, hein, c'est déduit de Psukim. Donc, c'est pas un décret. La Mishnah me dit que c'est un décret. En réalité, c'est vrai que c'est explicite dans la Torah que ça doit venir sur la caisse du Kohen Gadol. Ou que ça va devenir ou du public. Ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël a traversé une période où l'argent était une denrée rare, ça coûtait bien trop cher pour la pauvre caisse du Beth Amikdash. Du coup, ils avaient imposé que ça allait rester aux frais de la Trila Midoraita, Kereva, Michel Tsibo. Après, on a décrété que on prendra la caisse depuis des héritiers. Et après, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu plus les héritiers des Kohen Gadol, quand on se retrouve dans une situation pareille, ils ne voulaient plus payer, on se retrouvait sans apporter la chavitine. Sur ça, Rabbi Shimon vient et me dit, on a fait un décret de restituer le dîme de la Torah, ne pas laisser ça sur la caisse des héritiers. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.